Je n'aurais jamais pensé voir Manhattan comme ça. C'est une belle ville, non? Une ville que j'ai failli détruire. Tout ça, c'est du passé, Connors. Occupons-nous du futur. Ou au moins, du présent. Allons à mon appartement. Eh bien, bonjour les clowns, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de The Amazing Spider-Man. Vous avez été très très nombreux à avoir bien accueilli le premier épisode et ça m'a fait extrêmement plaisir, honnêtement, je vous remercie parce que j'ai vu qu'au cours vous avez été... Il y avait 200 vues sur la première vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir, franchement je vous remercie. Et donc du coup j'ai décidé de faire le deuxième directement. Donc ici, on a démarré le jeu la dernière fois, on avait vu qu'au cours il y avait des créatures qui sont échappées des Tauroscorp. Et là, on a été chercher Connors de l'asile et on l'amène à l'appartement afin qu'ils puissent développer leur antidote. Alors, je viens de voir les infos. Spider-Man et le lézard s'évader. Faut m'expliquer. Là, c'est bien lui qui l'avait arrêté pourtant. Je crois que ça a quelque chose à voir ce robot géant. Non, cœur Connors, il fabrique pas de robot. J'ai vu les infos. Je sais pas te faire confiance au Scorp. T'as raison, mec. Je suis une fille. Cool, ça te dirait qu'on se rencontre. Ah bah, c'est comme les gens sur internet, quoi. C'est la même chose. Nous y voilà, service de porte à porte. C'est pas un palais, mais c'est assez tranquille pour que vous puissiez développer l'antidote. Vous vivez ici? Vous voulez rire? J'aurais même pas de quoi louer le placard à balai. On est chez un vieil ami de ma tante May. Il s'appelle Stan. Je garde son appartement pendant l'été. Je ne suis pas sûr. L'autre option, c'est de retourner au labo du lézard, dans les égouts. Ça ira. Où est-ce qu'on installe le labo? Par ici. Je propose qu'on commence par rassembler l'équipement dont vous aurez besoin pour travailler. Voilà l'ordinateur. Pas tout jeune, mais il marche. Quelques ouvrages scientifiques par ici, pas beaucoup. Il y a un exemplaire de La vie des reptiles, juste ici, et la télévision. Je me demande s'ils vont parler de notre petite évasion. Choqué aujourd'hui, quand Kurt Connors, le lézard, s'est échappé de l'hôpital psychiatrique Bellois avec l'aide et la complicité du héros Spider-Man. Si les raisons de cette évasion restent inconnues, la police a lancé une vaste opération de recherche pour mettre la main sur ces deux dangereux fugitifs. À présent, revenons à la principale. On dirait bien que oui. Magnifique. Ils vous prennent pour un criminel, Peter. Tout est de ma faute. Doc, si vous m'aidez à leur fournir un remède, nous serons tous les deux des héros. Je vais contacter Gwen pour savoir ce qui se passe. Vous allez le dire à Gwen? À mon sujet? J'ai pas le choix. Raison de plus pour concevoir l'antidote, non? Alors, de quoi avons-nous besoin pour votre laboratoire? Déjà de l'ensemble de mes travaux. Tous mes dossiers sont dans une tablette ornée d'un symbole d'Ouroboros. Mais il ne sera pas facile à trouver. Pas de problème. Je me suis déjà infiltré chez Oscorp. Je peux recommencer? Peter, soyez prudent. Si Oscorp a poursuivi mes travaux en secret, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est un sérum qui m'avait transformé. Maintenant, c'est un virus. Ouais, il paraît. Alors, prêt à jouer à Dieu? Vous me faites penser à lui. Votre père. Oh, Gwen m'appelle. Peter. Gwen, je suis content de t'entendre. Écoute, je suis avec Connor. Je sais, Peter, toute la ville est au courant. Tu l'as aidé à s'évader de prison. C'est un hôpital psychiatrique. Tu as perdu la tête? Tu sais ce que Connor a fait à cette ville. C'est lui qui est la cause de tout ça. Et c'est lui qui peut créer un antidote. Ce n'est pas le lézard, c'est le docteur Connor. Et est-ce qu'il va ramener mon père? Gwen. J'ai confiance en toi, Peter. Mais pas en lui. Je suis désolé. J'avais pas le choix. Lui seul peut t'aider à aller mieux. Maintenant, je vais avoir besoin de toi pour rassembler ces travaux. Impossible. Le docteur Smythe les a envoyés au centre des archives d'Oscorp. Essaie de tenir le coup encore un peu. Je suis en route. Fais vite, Peter. Je sais qu'on est en quarantaine, mais j'ai l'impression d'être une prisonnière. Smythe dit qu'il travaille à une solution. Je vais te sortir de là, Gwen. Je l'espère. Gwen a connu des moments difficiles. J'ai tué son père, Peter. Vous n'avez tué personne. C'était le lézard. J'aimerais vous croire. J'espère que Gwen le croira. Bon, ben voilà, ça a été une longue cinématique, quand même. Donc on a quoi? On a... ça, on a Connors. Ah oui, ici, c'est pour débloquer des tenues qu'on trouvera dans la ville. Mais ça, bien évidemment, je vais faire ça dans mon coin. Par contre, je vais mettre voilà, cette tenue-là parce qu'avec la ceinture, je la trouve tout simplement dégueulasse. Le tableau, qu'est-ce que c'est?
Ah ok, c'est pour rejouer les missions et on sort pour poursuivre le jeu. Peter, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ça, je travaillais là-dessus avant toute cette histoire. J'appelle ça des mouchards. Pour faire simple, si Jean Collin sur une antenne de la police, normalement je peux écouter leur conversation. Normalement? Ben j'ai pas encore eu le temps de les essayer, mais c'est le moment ou jamais, hein. Je vais faire un petit détour en allant aux archives d'Oscorp. Bon. Voilà. Alors, passer tout le temps les mêmes conversations et tout, donc... Je pense qu'on va arriver sur ce que je vous avais dit dans le dernier épisode. Coco, c'est une mission qui va me faire ultra stresser. Notamment vers la fin. La fin, ça me fait stresser. Où il faut protéger je crois une caisse ou un truc ainsi, de blinder d'ennemis. Et c'est ultra chiant. Je vous le dis pas, c'est chiant. Et pourtant, c'est le seul passage qui me fait stresser de tout le jeu. Hein. Non, dans les autres, ça doit pas me faire stresser. Oh! Bon, ça fera l'affaire. La chasse aux antennes est ouverte. Je dois trouver les trois pour obtenir les coordonnées. Ah, d'accord, oui. Ok, d'abord, on a ça à faire. En voilà une. Il en reste deux. Non, attendez, c'est quoi encore la charge de toile? Voilà, parle. C'est ça. Terrain, d'accord. Ça, c'est stylé de faire ça. Hop, voilà. C'est plus pratique ainsi. Hein. Il faut être deux pour danser, mais trois pour trianguler. Un comics dans le coin, non? J'entends un bruit. Oh, puis merde. Et puis merde, on va les comics, j'ai pas envie de les chercher, de toute façon, on est là juste pour faire le jeu. Les comics, en fait, sont hyper durs à trouver, en fait. Oh, okay. Ils sont difficiles à trouver parce voilà, qu'ils sont pas... Ils sont pas indiqués sur la carte ou quoi que ce soit, et c'est ultra chiant. Et vous pouvez clairement finir le jeu sans avoir trouvé les comics. Hein. Alors... Ah, le rhino. Rhino, hein. Je me mets en route. Ça a l'air pas mal. Voilà. Le rhino. On va aller le chercher tout de suite. Alors j'avais dit dans le dernier épisode que le rhino est quand même un Regardez personnage que... Je trouvais ultra bien fait. Et on arrive justement. Alors il est où? Voilà, oh, regardez-moi ça. Putain, il est bestial le rhino. Je le trouve ultra bestial pour ma part. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu dans le film The Amazing Spider-Man 2. Hein. Là, il est pas content là. Attends, je dois faire quoi là? Wow! D'accord, j'ai compris. Je dois le cogner près des fourgons de SWAT. Bon, Starfall là, j'ai appuyé. Ça y est. Waouh! Un connard. Verge en sous-mouille. Cool. Voilà, hop. C'est sympa de t'avoir comme cible. Allez, va me chercher. Viens me chercher. Voilà, pile dessus. Pile dessus. Je pense qu'il faut le faire deux fois. De justesse. Allez, viens là. Viens là. C'était un homme. Wallé. Allez, hop, je t'ai eu. Allez. Ah bah, je l'ai eu. Je pensais que ça durait plus longtemps. Alors, boum. Il est par terre. Et il a disparu. Impressionnant, hein? Il a disparu. D'accord.
Bon, maintenant c'est parti pour vraiment la mission qui me fait ultra stresser. Ça me fait ultra stresser cette mission dans les archives. Donc je me disais bien que s'il y avait un lien avec des archives quelque part. Il y a un comics. C'est pour ma collection. C'est les comics que vous pouvez lire quand on est dans le menu pause. Mais c'est pas intéressant. Non, je sais pas où il est, j'avais vu. J'avais vu page de comics, mais non. Attends, je veux pas que Spider-Man est comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, ça c'est Spidey. Attends, il y a une attaque en cuivre à côté là, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Tiens! Laisse la vieille femme tranquille. J'en ai encore pour toi. Voilà, laisse les personnes tranquilles. Tout va bien. Ce qui compte, c'est que vous soyez encore en vie. Je dois y aller. Je me demande si le lézard voilà. Aurait le poids. Voilà, ça c'est fait. On a une personne de sauver. Maintenant, retournons à la mission principale. Et je sais pas si je ferai des missions. Après la mission principale, est-ce que je sais pas si je ferai des vidéos où je vous montre les missions secondaires en fait. Garde ça. Bon, ben voilà, on y est. Oh, j'y rêvais, oui, il était au-dessus. Une nouvelle pièce pour ma collection. Ah ouais. Bon. Ben. Non, à part là. Voilà. Bon, ben, c'est parti pour mon cauchemar. C'est parti pour mon cauchemar. Vous allez voir à quel point c'est compliqué. Même pour un troisième niveau, c'est compliqué, hein. Enfin, troisième ou quatrième, ça dépend comment vous l'appelez. Allez hop, c'est parti. Vous ne quittez pas ce wagon des yeux, c'est compris ? Ah bah ouais, c'est ça. Vous pouvez voir, c'est un chargement un peu spécial. Le docteur Spice a bien insisté pour qu'on le conduise directement à l'incinérateur. Peu importe ce qui arrive en chemin, ce Spider-Man est toujours dans la nature. Alors surtout, ne laissez rien vous échapper. Du sol au plafond. Bon. Voilà, donc c'est ça la mission qui me fait ultra stresser. On a vraiment pas besoin d'être autant. Et c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir commencer les phases prédateurs. Ça, je m'en rappelle, ça c'est des boîtes tech pour les améliorations. Mais au moins c'était nécessaire. Il se passe des choses autour au Scorp. Allez hop, c'est parti. Allez hop, allumez à terre, pas le temps de chercher. Et merde. Non. Je vous niquez de toute façon. Je vous nique. Je vous nique. Mais on fait quoi là? J'ai pas compris. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Non. Tu veux jouer à ça avec moi? Tu vas arrêter par terre. Tiens, hop. Toi, tu vas prendre cher. Voilà. Ça c'était stylé par contre. Alors. Par là? Par là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Tout va bien en bas? On peut dire ça. Sauf qu'il n'y a rien à faire. Je parie qu'un veilleur de nuit sur un parking. Ouais. On l'a fait. Waouh. Toi là-bas. Ça suffit. Non, m'avait pas vu. Quoi? Hein? Où est-ce qu'il est passé? Dans ton cul. Après, on est suspect. C'est une blague, j'ai appuyé.
Allez, cette fois. Cette fois, je vous casse la gueule. Cette blague, quoi. Il m'a eu peur de le voir alors que j'ai appuyé sur la touche pour une élimination. Mais c'est pas. Oh, ça m'énerve ça quand j'appuie sur rond. Et qu'il veut pas effectuer parce que le gars a le temps de m'attaquer. Voilà. Oh là là. Bon allez hop. On interagit avec ça. Pour faire quoi? Ça marche. Si j'ai encore un conduit d'aération. Ah bah ouais hein. En même temps, qui a envie d'être bloqué dans un conduit d'aération? Honnêtement. Surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement. Ce serait horrible, honnêtement. Je perdrais la personne. On a vraiment besoin d'être aussi nombreux pour garder un tas de boîtes. Ces boîtes appartenaient au type qui a failli raser la ville toute entière. Alors j'imagine que c'est du lourd. D'accord, mais il pourrait pas demander au type du ménage de les balancer? T'as entendu ce que je viens de dire? Ce qu'il y a là-dedans pourrait tous nous envoyer 6 pieds sous terre. Calme-toi. Je me calmerai plus tard. Une fois que tout ça aura été détruit. Ok. Mettez tout ça sur celles qui sont déjà là. Encore des gardes. Il y a le chef, ces deux-là qui font guerre, d'autres qui emballent quelque chose. Et lui, il fait quoi? Il prend des photos pour calendrier au Scorp. On conduit tout ça à l'incinérateur en vitesse. Il y a un espion. Il y a un espion dans leur rang. Ne partez pas, le reporter. Faisons connaissance. Je dois arrêter ce convoi avant qu'ils ne détruisent les travaux de Connors. Ouais. Ah putain, ah c'est bien fait ça, le coup de rendre, de donner des coups au costume, genre de donner un effet déchiré et tout. Ça c'est stylé ça. Pourquoi ils l'ont pas repris dans Marvel Spider-Man? Putain, ça aurait été stylé ça. Le côté déchiré et tout sur le costume. Ça aurait été trop la classe. Salut, Danny m'a dit que plein de... Et hop, voilà. Un de vous deux va me faire chier. Alors ensuite, par là. Par là. Alors, comment il a vu là-haut? Disons, je sais pas ce qu'il y a. Sur les glandeurs. C'est pas de beau. Oh! Pas mal. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a point de gens. On va se mettre là. Attends. Y'a pas une touche pour Y'avait pas une touche pour double élimination à un moment? Je sais pas. C'est moi qui avais une connerie, j'appuie sur contre alors qu'il y en a un qui allait m'attaquer, mais non, pas du tout. Pas un truc à ramasser dans le coin? Non? Ok. Moi, tant que je suis payé à la fin du mois, quelqu'un a pensé à apporter un jeu de cartes ou quelque chose? Jeu de cartes, pas besoin, les mecs. Je vous fous au tapis. Ça correctement. Correctement, j'ai dit. Allez, 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 allez. Ah, sont chiants les ennemis. Surtout que le compte, faut vraiment le faire tôt, quoi. Hein. Genre, dès que tu le vois apparaître, faut vite appuyer dessus, en fait. Quand tu vois Batman, t'as largement le temps, en fait. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est bien fait. Plus personne? Ok, plus personne de quoi là. Alors ça, je suppose que je vais devoir faire bouger. Oh! Il sort d'où lui?
Il sort d'où, lui? Pas compris. Là, c'est ça. Allez, hop. L'amélioration, je vais le faire après. Ouh, c'est un petit peu dangereux ce que tu fais, Spidey. C'est un petit peu dangereux. Alors. Au niveau amélioration, qu'est-ce qu'on va faire? Fil d'araignée, c'est quoi ça? Ah bon, on va prendre ça alors. C'est exactement ce que je voulais. Et pour... On va prendre... Augmente la cadence de tir. Ah bon, on va prendre ça aussi. Comme ça, j'augmente mes capacités. Hop, on va passer par là. On prend un conduit et on bouffe, hein. Je dois récupérer les données de Connors avant que ces idiots les détruisent. En même temps, je vous avais prévenu, hein, pourquoi des conduits d'aération, on va en bouffer. Ce type sait peut-être à quoi rime ce grand nettoyage. Il a l'air de s'en donner à cœur joie. Spider-Man ? Oh, vous êtes la journaliste de la télé, Whitney Chang. Que faites-vous ici ? J'allais vous poser la même question. Contente de savoir que vous aimez être au-dessus, mais je ne vais jamais aussi loin au premier encart. Vos patrons savent que vous parlez comme ça ? Aidez-moi à me relever maintenant. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Doucement ! Bon, vous savez qui je suis ? Et qui est l'homme derrière le masque ? Vous voulez une réponse courte ou la version longue ? Depuis que vous avez fait sortir Connors de l'asile, tout le monde s'interroge sur vos véritables intentions. Vous aussi, vous êtes là pour ces travaux ? Comment ça, aussi ? Vous êtes là pour les dossiers de Connors ? Eh bien, je ne suis pas là pour le paysage, en tout cas. On dit que le nouveau visage d'Oscorp n'est qu'un artifice, qu'ils ont poursuivi les expériences du lézard et que maintenant ils veulent effacer les preuves. Comme titre, je pensais à la conspiration Oscorp. Qu'en dites-vous ? Je vous ai dit d'arrêter. Hey, rendez-moi ça. Arrêtez ! Un intrus ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis en uniforme, je joue mon rôle à vous de jouer le vôtre. C'est Spider-Man ! C'était vraiment nécessaire. Alors, Spider-Man, tu as peur de te battre ? Poussez-moi dans votre pièce, faites-moi sortir de là. Ok, maintenant il y a un gars au bouclier. Désolé, j'ai frappé. Ok, il faut vraiment l'attaquer par derrière, bah, comme dans les Batman Arkham. Ça se voit qu'il faut vraiment inspirer un Batman pour faire ce jeu. Au niveau du système de combat, bien sûr. Par ici, il faut trouver les recherches de Connors avant qu'elles ne soient détruites. Je vais aller par là, je veux prendre une photo. Pas sans votre appareil photo. Très drôle. Oula. Ok, attends. Voilà. Et voilà. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Une tourelle de faite. Waouh, c'est incroyable, non ? Un problème ? Mon appareil photo, vous me l'avez pris. Ok, alors c'est vous qui allez le faire. Oh, quoi ? On pourrait faire équipe. Vous trouverez les meilleurs angles de vue. Je vous dirai quoi photographier. Vous savez vous servir d'un appareil, non ? Bien sûr. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ma carrière va décoller si je révèle ce qui est caché ici. C'est le moment de vous rendre utile, Spider-Man. Prenez cet appareil. Vous croyez que je travaille pour le Daily Bugle ou quoi ? Ah bah avant, oui. Bon alors, et cette étagère ? Elle est assez proche. Vous n'avez plus qu'à cadrer et à prendre la photo. Alors, L2... Ça ? Attends, c'est quoi la touche ? R1. Ok. Ok. La sauvegarde, bah allez, pourquoi pas, si ça peut servir. Vous savez quoi ? Plus j'aurai de preuves de l'implication de Scorp, mieux ce sera. Dès que vous verrez un de ces logos, prenez une photo et envoyez-la moi. D'accord. Ça marche. Pas de problème. On finira par les avoir, ces types. Bah ouais, on va finir toujours par réussir. Et comment je passe, du coup ? Ah, et en plus, il faut que je vous ouvre la porte. Qu'est devenue la galanterie ? La galanterie devra attendre qu'on ait arrêté ces créatures mutantes. Je pense, ouais. On dirait qu'ils sont toute une armée. Oh merde. Oh merde, ils sont nombreux. Il faut rester en hauteur, utiliser les conduits de ventilation. J'adore les conduits de ventilation. Ah bah pas moi. Ok, donc là, ils sont armés. Mais j'ai intérêt à ne pas faire de gaffe. Par contre, c'est normal que je vais vite. Attends, on va vraiment essayer un peu.
Oh, pas mal. Profites-en pour réfléchir. Cette fois, j'en ai assez. Tu vois, je t'avais dit qu'il tiendrait pas. Ouais, pas bonne chance. On va essayer. Y a personne d'autre ? Parce que je vois personne, moi. T'as été muté. Bon, on dirait qu'il y a personne qui m'a vu, donc... C'est ok. Ah, par contre, j'aime pas la vision ainsi, là. Où je vois pas qui est à côté. Qui, là, ça m'énerve. Attends, toi, lui, si tu te fous devant lui, si tu te fous derrière lui, ça va pas le faire. Hein. Attends, y'a quoi ici? Allez. Oh non, y'a lui qui se pointe, là. Ah, bah attends, j'ai le temps. C'est peut-être le temps. J'avais le temps, nickel. Attendez. Je vais mettre là. Observer un peu comment ils font leur ronde là. Avec l'appareil photo, ça peut le faire. Attends, quoi? Comment ça? Comment ça, ça? Je comprends pas, attends. C'est de l'art. Ah, je peux photographier les personnages? Ah, oh bah merde, alors ça, je savais pas par contre. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Par contre, lui là-bas, il va venir. Je vais me le faire. Les autres n'ont pas l'air de vouloir bouger, donc. Et merde. Ils m'ont vu, je crois. Attends, qu'est-ce que je pourrais balancer? Ça, est-ce que je pourrais le balancer sur eux? Bah nickel. Voilà. C'était pas si dur en fait. C'était facile en fait. Allez-y, Spider-Man, je vois la salle des commandes. Je vais y aller. Eh, hey, c'est qui l'acolyte dans cette histoire? Bah c'est elle, je crois. Hein. Attends, s'il y a une porte assis et un conduit, c'est pas une bonne idée. C'est que ça sent mauvais. Une caisse, merci, qui fait extrêmement plaise. Alors, si on a conduit, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Ok, il y a encore des mecs armés. On va faire la jouer discret. C'est fini pour toi. Si on nous a dit de le jouer discret, alors je joue discret. Encore un là-bas. Voilà. Et ici, Coco. J'aime pas celle-ci. Il met des heures là. Il met des heures à faire. Plus là. Attends, il est tout seul lui ou. Non, il n'est pas tout seul. Non. Non, il n'est pas tout seul. En fait là. Ok, vérifie qu'on a bien tout. Ouais, on a tout. Vivement qu'on soit débarrassé de tout ça. Ça fout les jetons. Y a pas un truc que je peux leur balancer dessus? Ils ont plus les... Ils ont pas l'air d'être armés. Bon bah on va aller, c'est parti. J'en profite. Voilà. Bon, toi je t'attaque pas derrière. Voilà, toi ici, et toi, je te fous à terre. T'as une grosse baffe, et voilà par terre. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Ok, il y a là. Par contre, je prends ceci. Je l'avais vu, donc je prends ceci. Alors, la console est là. Moi, ça va, t'auras pas de mini-jeu de merde à faire, donc c'est déjà le principal. Voilà. Comment ça se présente? Vous pouvez dévier le convoi? J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Il y a un interrupteur là-bas. Vous pourriez l'atteindre? Je m'en charge.
Pour moi, t'as pas de mini-jeu et tout à faire comme dans Marvel Spider-Man, c'est chiant. Marché. Non, et maintenant le système est verrouillé, ça ne répond plus. Attendez là, je crois que j'ai une autre idée. Il faut qu'on lui trouve un costume. Mais quoi comme costume? Alors, y a pas de trucs à ramasser dans le coin ou... Bah, tu vas me dire, je m'en fous, hein, mais bon. Ah, s'il y a un truc là. Hey, et merde. Ce n'est pas le droïde que vous recherchez. Oh, mais quelle actrice! Vous connaissez la réplique suivante. Dégagez! Bravo. Elle est très courageuse, mais elle a enfreint la règle numéro 1 des super-héros. Ne pas se faire prendre. Je dois aller la chercher. Une bonne critique me ferait pas de mal. Tu le dis. Voilà. Son collègue qui lui s'en fout totalement. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas trop grave. Voilà. C'était pas du tout ce que je voulais faire, je voulais l'éliminer furtivement, mais non. C'est pas trop grave. Allez hop. Et je pense qu'on arrive vraiment au moment qui va me faire hurler, je crois, c'est pas ça? Si, c'est ça. C'est à ce moment-là que ça me fait hurler. Mais c'est quoi cette question sexiste? Une fille ne peut pas faire ce qu'elle veut? Répondez! Je cherchais le congrès des méchants pas beaux armés jusqu'aux dents. C'est ici. Elle aurait pas dû mettre son nez dans nos affaires. Il n'y a pas que moi. Oh, oh. Ça t'apprendra les bonnes manières. Eh bâtard, ta mère t'a jamais appris pourquoi c'est mal de frapper une femme? Une journaliste? Ah, alors là, ça commence à devenir sérieux. T'en fais pas. Bon là. Faut y aller, faut y aller. Voilà, c'est tout. Direct oui. Ah bah, trois gars. Réveillez-vous. Vous n'avez pas essayé de m'embrasser au moins. Je voulais, mais vous baviez tellement que... Qu'est-ce qu'on attend? En route. Et maintenant? Je vais voir si je peux stopper l'incinérateur. Vous allez essayer d'attraper la tablette avant qu'elle ne parte en fumée. Ok, maintenant. Ok. Est-ce qu'on cherche la même chose? Les travaux de Connors. Ils sont sur une tablette avec un symbole d'Ouroboros dessus. D'accord, je vais la chercher. Empêchez-les de me tirer dessus. Ok, donc. Voilà. Allez-y. Ça doit faire mal. Je fais quoi là? Ça marche pas. Allez les méchants. Allez hop. Venez voir Spider-Man. Tiens, toi là. Allez, dépêche-toi là. Il met 3 heures avec ses animations de merde là. Allez hop, le prochain. Il a. Allez, 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 allez. Quand je dis rien, je me concentre. Il est où l'autre? Et merde. C'est pas croyable ça, hein. Je vous l'avais dit, hein, ce passage allait me faire rager. Ce passage là, je l'aime pas franchement. Ça me fait tout perdre à chaque fois là.
Non, ils s'accrochent pas au mur, hein, les cons. Oh, mais putain, mais tu me fous une pression! Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Merde. Vous voyez, j'y arrive pas. Ça va me faire rager ce passage. Hein. Attends. Est-ce que je peux faire quelque chose pour mes toiles? Non, je peux rien faire. Mais regarde ça, regarde, tu vas voir, je vais encore perdre. Hein. Non mais... Je vais encore perdre de toute façon. Allez. Dépêche-toi. Allez, dépêche. Mais dépêche-toi, tes animations de merde, là je m'en fous. Et voilà, hein. Mais non, mais c'est pas croyable, il doit avoir un moyen, c'est pas possible tout ça. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve ce passage, je vous l'avais dit, quoi, ça allait me faire chier. Bon, vous savez quoi? Je vais couper là, et on se retrouve juste après, quand j'aurai trouvé un moyen de réussir. Bon, les amis, ça y est, j'ai enfin réussi. Ouh. Putain, vous voyez pourquoi ce passage, c'est mon cauchemar. Ça va aller, je vais vous sortir de là. Mon héros, c'est juste une entaille, je survivrai. Oh. Merde, j'ai dû m'arracher les cheveux pour ce niveau. Vous savez, je me disais que je pourrais peut-être vous aider de temps en temps. M'aider? Mais je crois plutôt que c'est vous qui avez besoin d'aide. Des infos, Spider-Man. Je peux vous renseigner sur Oscorp. Donnez-moi votre numéro et je vous... Je donne pas mon numéro au premier rendez-vous. Attendez, j'ai raté mon épisode. Comme vous voudrez, mais on ne sait jamais. C'est le 646-555-99-77. Nous sommes ouverts de 9h à 17h du lundi au samedi. Et le dimanche, vous faites quoi? Vous arrêtez jamais de parler. Et vous? Bah dimanche, ouais, il fait quoi? Il se branle sur Pornhub ou quoi? Oui, il se branle sur Gwen. Oh, j'ai jamais vu un ascenseur aussi lent. Il y a un autre moyen de sortir d'ici. Oula, il y a un colosse. Pourquoi partir si vite? J'espérais avoir la prochaine danse. Vous avez qu'à dégager de là en dansant, gros malin. Le spectacle est fini. Ok, lui, il a l'air plus balèze. Je vais t'éclater. Voilà, je t'ai eu. T'es eu, sale bâtard. Allez, là.
peux aller la chercher. Allez hop, venez avec moi Whitney. Vous pouvez quand même donner votre numéro, hein, vous m'avez l'air canon. Vous avez agi en véritable gentleman. C'était un plaisir de vous rencontrer, Spider-Man. J'espère qu'on se recroisera. Vous oubliez pas quelque chose? Oh, j'ai pour principe de ne pas donner mon numéro au super-héros masqué, si c'est ce que vous suggérez. Les données. Un virus mortel a infecté des scientifiques d'Oscorp. Ces recherches peuvent nous permettre de mettre au point un antidote. J'ai risqué ma vie tout autant que vous pour les avoir. Vous l'avez fait pour l'Audimat. Je l'ai fait pour sauver des innocents. Attendez un peu. Je vais vous la donner à une condition. Nous y voilà. D'accord, allez-y. Gardez l'appareil photo et prenez en photo tout ce que vous pouvez. Tout ce qui est intéressant. Surtout si ça nous permet de comprendre toute cette affaire. Tenez-moi au courant. Les gens doivent être informés. Ils en ont le droit. Ça me va, marché conclu. Merci, Whitney. Eh bien, vous m'avez sauvé la vie, Spider-Man. Allez-y. Et n'oubliez pas de me tenir au courant. Vous ne voudriez pas que j'aille raconter que vous êtes un menteur, n'est-ce pas? J'y réfléchirai. À plus tard. Alléluia, j'en ai fini avec ce niveau de malheur. Putain. J'en ai fini avec ce niveau de malheur. Bah putain, vous voyez qu'au quoi la fin, j'y arrive jamais. Hein. Je suis toujours en panique. Ce dernier niveau là. Enfin, la dernière partie de ce niveau, je suis tout le temps en panique. Vous avez bien vu, hein, j'ai recommencé pas mal de fois en vidéo. Et hors vidéo, je vous raconte pas. C'était un de plus avant que j'y arrive pour de vrai. Mais bon, au moins, c'en est fini. Je vais pouvoir mettre fin à cette vidéo. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah encore. Des mecs armés, nickel. Enfin, des snipers, vous m'avez compris. Mais c'est pas la peine, c'est pas la peine, je m'arrête là parce que j'ai eu ma dose aujourd'hui. C'est bon, ce niveau-là, il m'a saoulé. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la fin si j'ai dû recommencer plusieurs fois. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Coco, il y avait une tactique et tout ça ». Sauf que moi, je l'ai fait à ma façon et ça ne marche pas. Donc, j'ai dû faire d'une autre façon, mais je vous en dis pas plus. Bref, j'espère que cet épisode 2 de Spider-Man vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motivera à continuer. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand mixmal à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!